Catherine Deneuve a accordé une interview à Society ce jeudi 17 août 2023. Dans celle-ci, l'actrice, qui incarnera Bernadette au cinéma, dont la sortie est prévue à l'automne, s'est confiée sur son rôle tout à clan au passage Les Hommes de Pouvoir. Catherine Deneuve n'a pas sa langue dans sa poche. Et l'actrice qui fête ses 60 ans de carrière l'a une nouvelle fois prouvé. Jeudi 17 août 2023, CIST le magazine Society qui l'a mise à l'honneur avec un portrait inédit à l'occasion de la sortie à l'automne du film Bernadette, dans lequel elle incarne l'ancienne première dame, Bernadette Chirac. Une interview sans langue de bois durant laquelle elle est notamment revenue sur les accusations de viol visant Gérard Depardieu. Face à la polémique dont il fait l'objet, elle a tenu à le soutenir, prédateur sexuel, ça peut être une qualification objectivement adéquate, mais que des noms soient tout de suite, après une plainte, associée au mot viol dans la presse, je trouve ça choquant, que ce soit Gérard Depardieu, que j'aime beaucoup, ou un autre, a-t-elle déclaré dans un premier temps. Une déclaration qui a le mérite d'être claire. Catherine Deneuve a ensuite ajouté, « Je ne suis pas en train de minimiser ou nier que ça existe, évidemment que je soutiens toutes les victimes. » Et dans la suite de Lène Chrétien, CIST sur son rôle de Bernadette Chirac, elle a été interrogée. En effet, les journalistes se sont questionnés sur les raisons qui l'avaient poussée à incarner ce rôle et à s'immiscer dans la vie privée de Bernadette, elle qui déteste qu'on fouille dans la sienne. La mère de Chiara Mastroianni a assuré qu'il n'y avait rien qui soit pesant ou problématique. Le fait que Chirac ait été un homme vraiment très libre, qu'il ait eu une vie privée en dehors, ce n'est pas une révélation, a-t-elle ensuite concédé, donnant, par la suite, son avis très clair et piquant sur le sujet, « Il y a plein d'hommes politiques qui ne sont pas fidèles à leurs femmes. On dit que Giscard d'Estaing aussi. » À bon entendeur.